Bonjour les amis, c'est Subdétection, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en Allemagne pour un rallye détection. Alors la particularité, j'ai été invité par Gareth, j'ai ma photo sur le stand DTI, donc c'est l'importateur de Gareth en Allemagne. Et il y a 5 monnaies en or à trouver dans les champs, voilà les amis. Donc je suis avec Steve Moore, je suis avec l'équipe de Gareth et j'espère que ça va bien se passer. À tout de suite. Alors voici un aperçu de l'événement pour aujourd'hui en Allemagne. Donc voilà, pas mal de stands, le stand où je suis en photo. Donc voilà, je tenais à vous le dire, je suis sur une photo là dans le stand, donc sur l'affiche, je suis vraiment super content. Et voilà, énormément de monde, hein. Franchement, c'est vraiment génial. Je sens que ça va être vraiment un très bel événement. Donc voilà, on commence dans une demi-heure avec la team. Donc il y a la team de Spera Belgium qui est venue nous rejoindre. Donc on sera quelques-uns à détecter. Et voilà, j'espère qu'on va faire du lourd. Alors ici, on est dans le côté pour tester les différents sons. Donc ici, bonne nouvelle, les tokens, donc les jetons. Sonne à 75, 76, donc c'est bien. Il y a plusieurs cibles à essayer. Par exemple, ici, vous avez un dépôt monétaire. Ici, vous avez... Je pense que c'est un boulet de canon, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, ici, vous avez monnaie romaine. Vous voyez ? Très petit son, mais à creuser. Ici, monnaie en argent. Ah, je ne la prends pas, elle est à 30 cm, je ne la prends pas bien. Ici, il y a monnaie en or. Donc voilà, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 24 cibles à tester ici, donc c'est vraiment super intéressant, quoi. Donc voilà, je vous reprends dans les champs, les amis. Alors voilà, je vous explique. On a un petit sachet dans lequel on doit mettre notre trouvaille. On a un batch et si on fait de l'or ou de l'argent, on devra appeler direct la sécurité. Donc voilà, je vous reprends dans les terrains, les potes. A tout de suite. Allez, c'est parti. On va dans les terrains. Regardez, il y a assez de participants. Donc on verra ce que ça donne. J'espère quand même avoir la chance de trouver un ou deux trucs. Et je vous partagerai ça. A tout de suite. Alors les amis, nous sommes sur la grille de départ, donc il y a énormément de gens. Donc la prairie est magnifique, j'espère qu'on va trouver des choses, mais participer c'est le plus important. Bonne ambiance, on est avec les membres du groupe Spera Belgium, donc faire ça au club c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, on verra comment ça se passe, j'espère trouver des trucs à vous partager. Sinon, ça fera des beaux souvenirs, à tout de suite. Alors je vous reprends dans les terrains, on a fait une vingtaine de mètres comme ça, mon pote a fait un jeton et moi aussi. Donc voilà, DSM 2022, c'est un jeton MindLab pour commencer. Donc c'est génial, ça fait déjà une trouvaille, on va essayer de continuer, le jeton somme super bien. Donc c'est pas comme en Italie, on doit mettre dans le sachet qu'on nous a donné. Mais voilà, je continue les potes, à tout de suite. Alors je vais essayer de faire un direct. Parce que j'ai un super bon son et ça pourrait être un jeton. Maintenant je ne sais pas exactement où il est. Non, ça a l'air fort enfoncé, mais je vais tester. Non, ça a l'air sorti en fait. Ah, regardez, encore un jeton ou une monnaie en or, mais non, jeton, c'est cool. Voilà, deux jetons pour commencer, ça fait vraiment plaisir sur une ligne. Donc on va continuer, à tout de suite. Alors je vous reprends pour un super bon son aussi. Pour moi ça peut être un jeton sans aucun doute. Et c'est comique parce qu'il y a un trou juste à côté, regardez, que quelqu'un vient de reboucher, mais il est passé à côté de ce son-ci. Regardez, je vois la fente. Troisième jeton. C'est cool. Franchement, je suis vraiment super content. Trois jetons en 15 minutes, 15-20 minutes. Donc c'est génial. Alors, je vais essayer encore un direct parce que le son est à 78 fixe. Donc pour moi, c'est un jeton ou une monnaie. Il y a de la monnaie en or qui a été enterrée et de la monnaie en argent.
ça a l'air un peu profond, donc je ne sais pas si c'est un jeton, mais on va voir. Ah si, regardez. Voilà, quatrième jeton. On continue. Alors les amis, je vous reprends. Je ne sais pas si j'ai fait du blanc, je ne pense pas que c'est une monnaie en argent. Mais voilà, monnaie très intéressante. Avec deux bustes et, enfin, un buste et deux mecs derrière, 1954. Non, c'est sûrement pas de l'argent, mais c'est une petite trouvaille. C'est génial. Je continue à tourner. On va redescendre un peu dans le début parce qu'il y avait pas mal de jetons. Vincent a fait une vingtaine de jetons, je reviens pas. Il est tombé sur la ligne, quoi. C'est son jour aujourd'hui. Donc on continue et on verra ce que ça donne. A tout de suite. Alors les amis, ça fait environ 2h30 qu'on tourne. Voilà, j'aurais fait 4 ou 5 jetons, une monnaie. Et je vais encore tourner une dizaine de minutes, puis je crois que c'est fini. Donc on doit aller donner nos jetons là-bas. Donc je fais encore un tour. Si j'ai des sons, je vous reprends direct. Sinon, on verra le résultat plus tard. Vincent qui a gagné un prix au rallye, ouais, bien joué Vince, yeah, yeah Vince, bien joué, bien joué. Trop content pour toi. Oh, qui beau gosse, ouais, qui beau gosse. Bien joué Vince. Qui playboy, qui tueur, un vrai monstre. Okay, Augsburg. Ja. Eingreifen. Ein Los bitte nehmen. Und jetzt haben wir auch eine Besonderheit. Die Zahlen werden nämlich vorgelesen von unserer britischen YouTuberin Digga Dawn. Und sie hat die deutschen Zahlen von 1 bis 10 erst vor 10 Minuten gelernt. Ich darf da. I can do it. But you know you're not allowed to make a mistake. No, okay? Perfect. Okay. You wanna practice before? No. Okay. Achtung. Die Gewinnernummer ist die folgende. Ein Akt fünf. Ja. Eins acht fünf. Ist die Nummer. Und wir haben einen Gewinner. Franchement, c'est vraiment cool. Alors ici, on a un stand et je suis en photo sur l'affiche derrière. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. On me voit pas très bien, mais je suis vraiment content. Donc voilà. Très gros événement en Allemagne, rallye détection, 5 monnaies en or. Donc voilà, ça pourrait être cool. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Wolltest du was trinken? Quoi? Du wolltest einfach was trinken? No, no, no. Thanks. Salut les amis. Bonjour à tous. Voilà, je vous fais un peu profiter du monde qu'il y a au rallye détection en Allemagne. Voilà, il y a 5 monnaies en or qui ont été enterrées. Donc ça pourrait être vraiment génial. Imaginez, je trouve une monnaie en or, ce serait vraiment dingue. J'en ai jamais trouvé, donc on ne sait jamais quoi. Donc voilà, alors on a notre stand là. Il y a tout plein de participants, donc on est quand même vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ici, il y a le stand Garrett avec ma photo, donc je suis vraiment content. Derrière Henri, là vous me voyez, enfin, tout au-dessus il y a une petite photo de moi. Je suis avec Steve, voilà, qui va participer avec nous. Donc vraiment content
de participer avec eux, d'être avec l'équipe. Donc voilà, je suis invité par Gareth, donc ça va être vraiment un événement super intéressant, super enrichissant au niveau rencontre et tout ça. Donc on essaye de parler un peu anglais et tout ça. My English is not very very good, mais bon. On essaye de faire avec quoi. Je comprends, j'arrive à me faire comprendre, mais tenir une discussion longtemps, c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça va bientôt commencer. Donc voilà, je vais faire une vidéo. J'ai ma GoPro sur ma tête. Donc, on va essayer de trouver des choses. Donc voilà, ça va super bien se passer. Il y a quand même beaucoup de monde. Voilà, plein de stands et tout ça. Super ambiance. C'est un camping ici. Donc je vous dis pas la soirée qu'il va y avoir après le rallye. Donc voilà, je vais faire des vidéos. Et de toute façon, on fera des lives pendant le rallye, sûrement sur la page Gareth. Donc voilà, je suis impatient de vous retrouver. J'espère que ça vous fait plaisir de voir un peu et de profiter de vivre ça avec moi. Voilà, c'est important pour moi, j'aime bien partager ça avec vous. Donc voilà, je comprends absolument rien, mais on va essayer de gérer. Donc voilà, les potes.